Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va essentiellement tourner autour du programme des 100 jours du président de la République. Comme vous le savez, il y a à boire et à manger dans ces dossiers. Après des interpellations du directeur général de Safricas, M. David Blattner, après l'interpellation de Samuel Djimal, je crois, le Libanais, l'autre Libanais qui a été aussi interpellé. Aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses et plusieurs choses se disent autour de la gestion du programme des 100 jours du président de la République. Et aujourd'hui, nous avons sur ce plateau Maître Junior Bakoké, là, qui est venu dénoncer quelque chose aussi en rapport avec toujours les dossiers des 100 jours. Alors moi, je ne vais pas monopoliser la parole, mais par contre, je vais laisser à mon invité le temps de s'exprimer librement. Et puis, je vous annonce aussi que cette émission va essentiellement se dérouler en Lingala pour une meilleure audition, mais aussi une meilleure compréhension. Alors, sans plus tarder, je m'en vais dire bonjour, Maître Junior Bakoké. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Et c'est mon ami, il y a ActuBuzz. Merci pour la toute première fois. Il y a un plateau à Bino. Donc, c'est un honneur pour moi. C'est Pelimingi. Et puis, on a apprécié réellement mon salé Zosalem. Merci sans beaucoup. Flatterie. Merci. Vraiment, je sens qu'il y a du boulot ici, il y a du sérieux. Très bien. Vraiment, alors, c'est un peu ça. Très bien. Alors, Eli, qu'on dénonce Makamboza en rapport à 100 jours il y a président de la République. Moi, Makamboza, les réseaux Obama autour, il y a gestion, il y a 100 jours, il y a programme, il y a président de la République, détournement, Moïbi. Alors, finalement, qu'est-ce qui justifie présence dans le plateau? Merci, monsieur le journaliste, monsieur Hervé. Je crois que les téléspectateurs au Bazola d'Abisso Libanda et Mboka, beaucoup plus les Congolais, les Congolaises, au Bazola Libanda et Mboka, au Bazola 4-4 et Mboka, il faut bailler les hauts de Zosala. Moussala de Zosala, ils allaient pour l'intérêt de la famille d'Abisso. Ils allaient pour l'intérêt personnel. Zosala pour les Congolais, ils ont intérêt à la Congolais. Au Bazola Libanda et Mboka, au Bazola 4 et Congo. Chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Azala qui est élu président de la République, après avoir prestation à serment à Azala qui le 24 janvier 2019, année dernière, Mokonzambo Azwaki initiative, il y a que ça là, un programme d'urgence, Babengiango, 100 jours. Programme Wana Azala qui basé sur plusieurs volets, notamment. Construction, il y a des sauts de moutons, des maisons préfabriquées, des logements sociaux, réfection des hôpitaux, réfection des construction des écoles, notamment des Nzelapé. Mais tu as qu'on se rendre compte que le peuple congolais n'a pas ça, il y a alternance, changement. C'est-à-dire changement même, il y a mentalité. Presque dans tous les domaines, il fallait qu'il change mes salaires. Mais tu vois qu'on se rende compte que Batom Soussou, Bazala Kiwana, l'ancien régime en fonction, jusqu'à ces jours, bah, aidé chef de l'État na vision na y a 100 jours. Le programme na y a 100 jours. Na otiko tanga ba domaine et belé Zala qui programmé pour 100 jours, mais nga zako se basé essentiellement na dossier à réhabilitation école Mokengeli. Mon frère, c'est scandaleux. Ils ont pas si pé mawa. Mokonzambo ka place ya Zwami, soka zola ndangai congolais, un acteur politique, na eko dénoncé ba mégestion, ba surfacturation o esalemaki na réhabilitation école Mokengeli. Na lobi yango azarte na zana ba preuve. École Mokengeli, tolanda ki rapport ya ODEP, après avoir achevé les travaux, ODEP et Pesaki, ma conclusion sur comment Bongo y a l'État, ils allaient qui utiliser. ODEP et Pesaki, montant, il y a. Basuka qui juste na entreprise, société, ou et gagnant qui marchait, et trappe. Ils ont été allés ODEP, selon un rapport ODEP. Pesaki mis à la place publique, à la portée de tout le monde. ODEP et l'Obakiko. Mokengeli va réhabiliter yango na $1,800,000. $1,800,000. Oui. Pour la seule école Mokengeli. La seule école, rien que pour le paiement, il y a société gagnant qui marché et trappe, bah faut qu'il bango $1,800,000. Ce n'est pas moi, mais c'est l'ODEP. C'est le service attitré à l'État.
ils allaient coûter la dépense publique. Tu dois se rendre compte que biso ba congolais ba acteur politique tu le bon tu sale ba étude tu le mais école locale mokengeli ba cour réhabilité on a 1 800 000 $ ndenge nini tu le non au départ là qui trop pressé peut-être à couper sa chiffre biso peut mener ma enquête dans ndenge biso tu dois quoi investiguer monsieur les journalistes tu dois se rendre compte que au départ coûte azala qui Clément au départ pp si chiffre 1 800 000 juste rien que pour la société trap. Mais il y a des rubriques au Babakisaki, comité de gestion FPI Babakisaki pour mettre ça bon à l'état. Dans l'ensemble, l'école à Mokengeli réhabilitation et pèse 2 600 000 $ bon à l'état au ébimi pour l'école à Mokengeli. Donc pour l'école Mokengeli, l'école est dans la salle car ceux qui disent, ceux qui vendent. Na ba bibliothèque à Mikke, ba Tiwana, na ba d'ailleurs même tout l'anda qui na ba chaîne à télévision, sous de la place à Balobiko. Ben, installation hygiénique, ben, toilette, tout ça, la suite est à boucher. 2 600 000. 2 600 000 dollars, mon frère. Ouais, école Mokengeli. Je l'ai dit, dans un abat preuve. Baba, qui s'est nié, Zalaï Tegouna? J'en viens, mon frère. Société étrape, selon ma information, ma enquête est menée, Zali. Une société créée par ma membre de la communauté de gestion FPI, mon conduit, parmi ma membre de la communauté de gestion, mon conduit a créé la société étrape. Après signe de Gonaïa géré. Quand on a la mentalité congolais. Il y a 1 817 046,37 $. Dernier paiement, il y a qui décaissement, il y a qui le 5 décembre 2019. Parce que la date est nion sur Zaliao. À chaque paiement, à chaque décaissement, la date est Zaliao. La fiche a suivi, fiche de suivi paiement, mon Kengedi. Basuki wana te tellement que Congolais attendent d'agater. Baba qui sur rubrique travaux additionnels. Na travaux additionnels mon frère. Baye ko bimisa ko décaisser mon onion sur 371 828,63 $. Tellement que Congolais monte manezara a gagné mon ko intérêt personnel. Baye ko ajouter rubrique il y a inauguration. Frais inauguration. Mon frère a fait inauguration, la rubrique Nyon se créée à l'Okuta, la décaissée bon locola net 290 401,39 $ américains. École Mokengeli, d'abord, il y a combien de salles? Osa mon pan de sa mouné dans beaucoup, bah tu vas apprécier mon salle aux salles. Je crois que Mokengeli est dans la Lemba, la super Lemba. C'est une honte, mon frère. Il semble que le président de la République attend un peu. Mais on a un chantage, parce que le chef de l'État attend un et puis il y a protection de la présidence de la République. Mais il y a un combat qui est un peu plus grand. Il y a un Congolais. Il y a un peu plus. Ce sont des contribuables congolais qui ont payé un peu plus de taxes, impôts. Pour la FPI, alors, 2 600 000 pour la réhabilitation. Yoka, mon frère. Oui. C'est quoi? La ligne. La rubrique est-il dans le thé? Vous aurez posé la question. Quatrième élément, oui. Bah, il y a des travaux de surveillance. On a évité. Cela veut dire quoi? Je ne sais pas moi. Travaux de surveillance. Des questions bongo loco là. 143 250 $ américains. L'union fait ça en rang à dollars. En franc congolais, bon, ma montagne la soupe en oui, dollars, mais pas de problème. Il y a des questions en CDF. Après cela, à la fin, tellement que bâton dans la carte, babakissi, autre frais, oui, nini. Les imprévus. Les imprévus, voilà. Ben, il faut décaisser 9 058,07 $. Dans tout, il y a 2 600 000 $ américains, rien que pour l'école Mokengeli. Il y a une rubrique qui est inauguration, cocktail, Pullman Hotel, Grand Hôtel. Est-ce que, qu'est-ce qui empêcherait que Basson, ba canette, naba jus, sur place, on a après inauguration, va tout ça dit debout. Que le jour président Kende a inauguré l'école, après, on a Kende aussi retrouvé la Kende qui va Grand Hôtel, va Pullman. Est-ce que le président Kende a Pullman? Je ne sais pas moi, mon frère. Chef de l'État, la Yukonate. Chef de l'État, la Yukonate. Il y a un autre lobby, boy. Bissoba congolais averti, informé.
Toko tika likambo oyote parce que tout le monde a interpellation en justice, notamment bah comme beaucoup de temps avant déjà il y a Safrikas, un Libanais aussi bah il serait déjà à la prison centrale de Makala pour des raisons d'enquête. Mais curieusement on avait suivi le procureur général que je salue en passant près la cour d'appel de Kinshasa Matete, c'est un vieux que je connais personnellement, Kissou Ladelin, c'est un monsieur très sérieux, incorruptible. Yali Akabambo ou Akanyakate. Naebie, depuis Azalaki, prorep na grande instance à Gombe, Tile Lonzamba élevé a commis procureur général na Matete. Atindaki, une réquisition expert na FPI, Bapé sa été à décaissement nion surtout Yambongo, il y a 100 jours. Le Londe Konazako s'est focalisé beaucoup plus pour Namokengeli. Mais il y a aussi ba ma construction, ma forage, mon frère, c'est scandaleux à travers la République. Bolanda qui n'a radio au Capi, n'a qu'un anga, autorité responsable à FPI, qui a interpellé Kuna, n'a kenge qui quitte surfacturation. Forage moko, tout est bibiso, ba congolais, ba oyo, bazala ma possibilité, bazala ba forage de mango, ils ont 8 000 $, 7 000, 9 000. Ce qu'ils achètent, c'est 20 000 $. Il semblerait que Dekesimi Salemaki yaba 143 000 $ pour la forage moko. Mais c'est grave. Est-ce que le président de la République est mort au courant Maramunyoso? Mais c'est ça la question qu'on se pose, nous les Congolais. Parce que ça se dit que gestion il y a 100 jours et va qui confier le directeur et le cabinet à président. Or, je te dis que le directeur et le cabinet, c'est le plus proche collaborateur du président. Moi, je ne pense pas que Babilo Koya c'est à Mokengeli, le directeur des cabinets. Si on a quand même Mokengeli. Moutajira qui, disons, bah, travaux et réhabilitation et colonisation. Tout le monde qui, jour à lancement, il y a bah, travaux à 100 jours. Bah, mandataire, il y a des paroles, non? Après ça, il y a. Moi, je ne pense pas que le directeur chef de l'État, le directeur des cabinets chef de l'État, il y a une salité. Il y a mon Kengeli, il y a un. Non. Mais tous autres déplorer le comportement, il y a un comité de gestion à FPI. Parce que bah, on a besoin qui garant en aïe qui réhabilité Koloana. Mais avec de tels montants, ça nous que inquiète. Comité de gestion pour l'école Mokengeli, il y a quelque part, il y a complicité dans le. Jamais. L'école Mokengeli, il y a un comité de gestion, il y a un tâte que vous avez 1 100 $. Non. Il y a un matériel, il y a un salaire. Il y a beaucoup plus pour le moment de vacances. Allez-y comprendre, mon frère. Alors, ni les alliés tiennent école Mokengeli, ou baba et Bakisami après. Mais mon frère, c'est scandaleux. Et pourtant, je m'inquiète chez moi à l'Équateur. Bah, on a bissé à l'Équateur, bah, autant on a si à Banzete, à ta salle de classe, il y a un champ, mais zate. Bah, ben, on a la lingua à bissé à l'Équateur, bien, on délé, zate. Mon frère, mais comment on peut jouer avec les fonds publics comme ça? Bon, on a l'État, 2 600 000 cas pour Mokengeli, et pourtant, bon, on a. Avec 50 000 $, chez moi à l'Équateur, bah, on a une école. Il y a 6 salles dans le bureau, il y a chef d'établissement. Ah, on a capital avec 50 000 $, on a une école. Parce que chez nous à l'Équateur, ils ont le Zay Ophélé. Sima, quand même, il cause un peu, mais ils ont le Zay Ophélé. Mais des vrais, le Kuna local, ils ont un peu moins cher. 50 000 $, bah, on a 6 salles de classe dans la salle de bureau, il y a chef d'établissement, soit directeur, soit préfet d'école. Mon frère, je vous dis, c'est scandaleux. Il y a un gros bisou, tout ça, moi, silence, il y a chef de l'État. Mokonzi Mboka, tu votes qui opposent un changement, tu sentir yango na vie sociale à Congolais, mentalité à Congolais. Mais comment est-ce que Mbongo Oyo ya l'État et Bimi na caisse ya fonds de promotion de l'industrie et barouler tout le monde, même yo chef de l'État ba kosi yo. Mais chose grave, il se tape la poitrine en disant nous avons des la protection la présence de la République ba kosa la bi sur le côté. Mais c'est grave, c'est aux Mbongo ya ba tout ya mututé Mbongo l'État. Tolingi, la réquisition expert, Oyo, le procureur général, le maître de l'action publique. Est-ce que vous saisirez? Il est informé. Pourquoi Tindaki réquisition? C'est parce que ma soupçon, c'est là qu'il déjà dans un montant où il m'a dit dans FPI. A Tindaki réquisition expert, ma paye ça y est, décaissement nions. Mais qui est Congolais à la Ramale, il y a un falsifié ma chiffre. Mais bisot aux huit, ma document, il y a trésorerie à FPI. Rien que pour la Mokengeli. Donc, quand tu vas rubriquer, nous sommes sur le forage dans le thé. Pour la Mokengeli. Mokengeli, seulement 2 600 000 $. Mais où allons-nous? Tokei Wapi. Silence à chef de l'État et comme il y a un bang qui s'abisso. Yango Nazo Senga, dans la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi.
avec beaucoup de respect, madame. Je suis la première conseillère. Il y a papa Mokambi Wai Kolo, son excellence, Tshilombo Tshisekedi. Maman, yebisa papa, tu es bien Moussala Makasi. Mais Atsali Toi, il y a un dossier à FPI. Bato Baliembo, FPI va répondre devant la justice. Comité de gestion FPI, tu as là-bas document, tu as inventé, tu as cocité, et c'est vérifiable. Montant et biment 2 600 000 $, rien que pour la réhabilité de Mokengeli, l'inauguration à Lokuta, il y a les travaux additionnels à Lokuta, les travaux de surveillance, les autres frais, les rubriques créées. Les loyaux, les magistrats, les autres qui ont grève, les maouandés, les zongeli moussala, les médecins, les grève. Programme il y a gratuité de l'enseignement. On a combattu parce que Mbongo, on a la bonne volonté à Kobongi Samboka, mais ma coquille, ma ressource est athée. Mais tala ba Mbongo, oyo ba Congolais, ba zo sakanana yango balobi, to eko s'enrichir na sima ya 100 jours à chef de l'État. Raison pour laquelle. To zo senga na mokonzi Samboka. À l'andela, il y a za magistrat suprême. A mené ba enquête, a instruit ba magistrat. Na lobita ki ba magistrat baza mabe. Il n'a pas confiance à la procureur général et à Matete pour que va démanteler les réseaux au Balembo et FPI. Baza la puni sévèrement conformément à la loi. Parce que Mboka Oyo Kozala impuni, ba impunité peut être cautionnée en côté. Alors, qu'est-ce qui vous rassure que va donner Oyo Zanango et ça va donner mon fiable? Mais, mon frère, n'a pas si va donner Yango. Va y contredire Ngaï. Document à service trésorerie à FPI. Fonds de promotion de l'industrie, direction financière, bar, service, trésorerie, fiche de suivi, paiement, Mokengeli. Mais rien n'empêche qu'il va payer le document Lokuta. Il y a Lokuta parce que la rubrique Union sur des dettes, mon frère. Et les dates. Ce qu'on peut s'arrêter, attendre 3 minutes, on peut s'arrêter quelques dates. Allez-y. Contrat et trappe. Premier décaissement, c'est le 4 avril 2019. Montant en CDF, c'est 496 millions. 713 890,40 francs congolais en dollars, 496 790,03 francs en CDF, c'est-à-dire monnaie locale francs congolais, en dollars équivalent à 295 663 000 $. À l'époque, taux Ezalakina 1680. Bah tiens, même on a tout inventé en côté. Deuxième décaissement, c'est là qui le 29 avril 2019. Bah décaissé combien? En dollars, 128 568,60 $ américains. Troisième décaissement, le 7 mai 2019. Bah bimisi 263 103,13 $ américains. Décaissement lundi 24 mai 2019. Babimisi 211 683 $ américains. Bapé ça qui paye seulement qui en francs congolais, mais toujours paye ça équivalent en dollars. Oui, l'année libre paye ça le 14 juin 2019. Bafouti 570 917,00 $américains. Oui, lundi 4 juillet 2019. Bafouti 52 200 $américains. Le 15 juillet 2019, Bayeko Fouta 180 679,94 $. Le 5 décembre 2019, Bayeko Fouta 114 231,57 $. En tout, c'est 1 817 046,37 $. On a foutu société trap. Mais c'est là qui surfacturé. Au DEP, c'est là qui rapporte au 1 800 000, c'est trop. Et quand on a ceux qui va réhabiliter, qui n'est pas équipement, machine, si c'est beaucoup, c'est 500 000 dollars. Alors, bateau va lier mon wana. On a juste pour le paiement, il y a une trappe. Bon, bah, rubrique, on va payer ça, travaux additionnels. Le 13 août 2019, bah, mis 45 665 dollars. Le 5 septembre 2019, bah, foot, bah, mis 231 170 dollars américains. Le 19 août 2019, bah, il y a mis ça. 85 712,40 $. Le 26 août 2019, Bayeko Fouta, 9 281,07 $. En tout, essayez le coup là, 371 828,63 $.
juste pour les travaux additionnels. Yo kaba travaux additionnels non musali ni basali. École Mokengeli travaux additionnels pose des dalles. Elle est 45 000 $. Bah dalle c'est même posé à mon frère. Paiement travaux de réhabilitation de l'école Mokengeli avis sur les factures numéro 008 et 009 barre et trappe complexe scolaire Mokengeli barre 2019. Nzambe na ngai. Mususu yo ka fourniture de mobilier du complexe scolaire Mokengeli barre et trappe. Et lié 85 712 $, 40 américains. Yoka rubrique Moussous. Libellé. 1503-1037-307 Kalonge Kabeya. Paiement réhabilitation de la bibliothèque d'école Mokengeli. Bafouti 9 281,07 $. En tout, ça lit 371 828,63 $. Inauguration. Le 18 avril 2019. Budget cérémonie de pose de la première pierre complexe scolaire Mokengeli. 11 650 $. Pas la cérémonie de pose de la première pierre, mon frère. Yo kanano ne ba osaka na biso ba congolais. Le 27 août 2019. Inauguration complexe scolaire Mokengeli. 30 640 $. Le 30 août 2019, budget estimatif des activités pour l'inauguration du complexe scolaire Mokengeli, commis de Lemba. 30 000 $. Le 30 août 2019, frais de couture chevet pour 10 hôtesses du FPI en vue de l'inauguration de l'école Mokengeli, commis de Lemba. 800 $. Pour le Kangasuki. 30 août 2019, frais préparatifs pour l'inauguration de l'école Mokengeli. Commis les Lemba, 4 083 $. Le 30 août 2019, paiement facture numéro 069-019, inauguration, Institut Mokengeli, réhabilité à compte, 58 087 $. Le 2 septembre 2019, frais préparation pour inauguration de l'école Mokengeli, commis les Lemba, monsieur Lunula. C'est qui va payer ça qui est bon, Wana. 48 000 $. Le 2 septembre 2019, paiement cocktail VIP, 8 personnes au Pullman, Grand Hôtel Kinshasa, le 2 septembre 2019, confère inauguration Mokengeli. Ce qui est bintene, combat, je crois, c'est 28 000 $. Bah, combo, bah, bah, tu as bah, combat, bah, tout, bah, percé, pas Kimbo. Bah, percé, pas Kimbo, oui. Bah, tiens, on a 4 affiches. Le 5 septembre 2019, collation spéciale pour l'inauguration du complexe scolaire Mokengeli. Mais l'inauguration en combien? 10 350 $. Collation spéciale. Mon Dieu. Le 5 septembre 2019, budget de la cérémonie d'inauguration de l'école Mokengeli. 16 350 $. Le 6 septembre 2019, solde de facture pour inauguration du complexe scolaire Mokengeli. CMCTTCG. On a abrégé. 58 087,17 $. 17 septembre 2019, location groupe électrogène et badge, conception, impression pour inauguration de l'école Mokengeli. Papa, FPI Zang ba groupe électrogène. Il faut que nous louions groupe. On a combien? 2 401 $. J'en blague. Hein? Non, non. Et ça, il combien? 200, non, non, il y a badge et salut, location, groupe électronique, badge et salut, 2 354,22 $. Dans l'ensemble, il y a 290 401,39 $ américains. Mon frère, Toza Wapi. Ce qui n'a bien attendu à l'Union sur le temps n'est pas notre allié. Alors, président, vous avez nommé le magistrat Essika. Est-ce que Bino, vous avez 8 ans à ressaisir le magistrat ou le procureur pour que vous informez la situation? Yangongai, c'est une très bonne question. Yangongai. Tout ça, c'est une lumière d'opinion. Je suis un acteur politique, je suis sur base d'Angaï déjà, je crois. Dans les jours qui viennent, dans quelques jours ici, tu as aucun doute qu'on déposer plainte officiellement, comme tout Congolais, chez le procureur général de la République, près de la Cour de cassation, parce que tout le monde a une réquisition au Batinda qui est dans le FPI. Apparemment, moi, retard des Alliés, moi, lanterne des Alliés. Surtout, nous avons un peu de temps pourvu que, pas mener l'enquête. Si réellement, Baza Blanchi, Baza Makambo, Baza Nakata Makambo, biso peuple congolais to kubeti la mama boko to le kaka na itando eke na bino awa na plateau na bino to koloba ko batwana bazo kimbongote mais to le justice s'est impliqué na dossier o
yango tozo senga chef de l'État comme azam magistrat suprême hier d'abord azo dossier à cœur après biso tozo banda ba démarche na biso ba procédure na biso to banda déjà to, on avait déjà rédigé un mémo to préparer pour na rentrée parlementaire na le 15 mars to déposer on a parlement mais en même temps ndengo ou to poser une question na lobby toujours déposer plainte et pas à procureur général près la cour de cassation pourvu que bah responsable à FPI comité de gestion FPI bah répondre à bah dépense oyo fantôme c'est inacceptable est-ce que 2 600 000 soana ils allaient qui dessiner directement l'entreprise ou abonné qui exécuter travaux toi ouais ils accarent un bon web mais qui non bah sali bah kaboli boy entreprise ouais ils ont qui 1 817 046 37 $ on a étrape de wana bongo bazwa ki pona ko exécuter et trap bazwa pona misala na bango pona mambo nyoso et le reste li kolona le reste on va créer ba rubrique travaux additionnels ba travaux additionnels ba rubrique on est créé par société et trap to FPI papa fiche oyo FPI ne monte concevoir yango ba ngonde ba ko expliquer biso ba rubrique bango ba créer oyo en dehors ya facture et trap to moni ba kisi ba rubrique po premier point ezali facture et trap les restes ezama les restes ezali FPI ba kisi ba rubrique wana ba travaux additionnels ba inauguration ba frais de surveillance na ba autres frais dans l'ensemble et ko pesa 2 600 000 dollars américains oyo nan e pa nan Équateur ba ko ton même 30 écoles même 40 écoles mon frère tozo kende wapi alors mo kingi les ana commune Lemba Lemba ba dans député provincial Peter Kazadioza membre ya UDPS proche père président de la République est-ce que il y a le roi député provincial. Est-ce que c'est saisir un dossier au programme de l'Assemblée provinciale? To ba élu na binonyo so ya circonscription ya Moamba. Est-ce que ba se saisir pe na dossier au? To bon. Bino bon, bino, qui, bah, bino, bah. Bino bo, 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 bo saisir bah, honorable Peter Kazadi, c'est un honoré confrère que je salue d'abord en passant que je connais. Fort malheureusement na c'est ça qui na dossier au té parce que na linga qui d'abord to observer réquisition, il y a expert, il y a procureur général, mais on sent que ça traîne un tout petit peu. Ça traîne un tout petit peu pour ne pas fournir les éléments une semaine. FPI, pour avoir une base de données, il y a des données, surtout des décaissements et des fonds, et ça une semaine. Mais depuis réquisition, il y a depuis le début du mois, je crois, si tu as commis le long à la fin du mois, jusqu'à présent, tu as eu le cas mon côté. Mais dans la confiance, il y a le procureur général à ma tête. C'est un monsieur correct, il n'est pas corruptible. C'est un monsieur qui sait travailler à Ibi Moussala Naye. C'est vraiment dans la confiance. Naye. Mais n'empêche que Bissot peut tout dénoncer, mais je suis Salé Maki. Il y a un gros peu de l'unicité à le magistrat, il y a unicité. Le magistrat est un. Il y a la même position. Alors, Bissot, tu as la lettre, tu as déposé pas la plainte et pas la procureur général, après la Cour de cassation. Comme le dossier a déjà dans ma tête, il y a Koronvoye, il y a maintenant, ça va maintenant pousser au procureur général de Matete Salango avec toute diligence parce que tous en a besoin, tous en a conclusion un dossier à Mokenge. Il n'y a pas que ça. Le service n'a pas travaillé d'arrache-pied pour me mettre un dossier à forage avec tous les éléments possibles. Je crois qu'on peut inviter dans la plateau. Je vais amener tous les éléments pour que nous démontrer que nous avons un FPI, le roi la blague. C'est comme si tous en a jungle, un pays sans loi. Nous avons un comment ça la rubrique à l'Okuta pour aller en bon. Non. En tout cas, non, je suis déterminé. Dans la procédure, dans la démarche, il y a FPI, il y a des documents, il y a des décaissements, il y a 100 jours à chef de l'État. Tu as accompagné chef de l'État. Je suis déterminé dans la cotique à l'Igambo Oyote. Il faut battre les gens pour répondre devant la justice. Ceux qui ont été plusieurs makala et qui ont été sambisi bango, soit ils ont interpellé la justice et que ceux qui ont blanchir bango, gloire à Dieu. Mais ceux qui ont été dedans, mon frère, il faut pas répondre, il faut pas la punir sévère conformément à la loi. Très bien. Émission Komina Souka, alors. Caméra za liboso na yo ota la caméra o ko s'adresser na ba autorité nyoso ya mboka message no ya souka pe chance nyoso pe sa na action na binou caméra ya ngol liboso na nazo yebisa le président de la république nazo s'adresser na le premier de tous les congolais son excellence est Tshisekedi Tshilombo Antoine Félix moi je pense que to vota ki opoke to sentir changement un dossier à flagrance spécialement ki kalamingité un agent ya FPI azala ki licencié abusivement na 2017 licencié abusivement. Je l'ai dit avec beaucoup de preuves. Il s'appelait Joseph Moumale alias Foudre. Bah, licencié parce qu'il y a un véhicule à Kenaki Aéroport qu'on déposait, qu'on présentait une dame qui est affectée dans le service et relations publiques dans l'aéroport. Pour un véhicule seulement, bah, licencié Moutouana. Il y a une lettre à licenciement abusif. Les gars ont eu la semaine dernière parce qu'il y a des difficultés, les gars qui sont accueillis partout dans l'instance de réhabilité et dans l'inspection du travail.
ministre du travail a réhabilité Mutuana et lettre qui est dans la FPI comité de gestion balobi a causé un akunate les gardes difficultés les gars qui baoté ko kunaye dimanche passé a keika bombongo vinaye esili et kufi a keina yo bongo alors yo mokonza mboka to benga kiyo to futa kiyo pour que yo veiller na survie na sociale vie ba congolais mais talandenge ba congolais baza ko ko nyoko manamboka na bango de ko mama latiki ba orphelin moi si naye veuve kaka bongo parce que azo ki voiture a kenaki aéroport ko présenter une dame oh ils ont rempli toutes les conditions pour que véhicule bi mana FPI balongola ndeko wana voix de 100 voix comme azalaki na motokolo bila été je vous dis yo wana kei et puis comité ya syndicat ya FPI ils n'ont jamais défendu ces messieurs là il est décédé bakunda ki alors chef de l'état to pesa ki yo confiance pour que to sentir vraiment changement na mboka tala makambo oyo to lingi véritablement to sentir que chef de l'état osa ko agir bic rouge dossier FPI décaissement il y a 100 jours dans tous les secteurs et dans le forage non seulement Mokengeli il faut bic rouge na yo oyo la kaki ba congolais to sentir et puis je vous promets sans vous flatter chez moi à l'équateur ba ko voter massivement en 2023 je pense que c'est un message fort au chef de l'état to lingi to sentir bic rouge na yo na dossier FPI ba to ba liembonga FPI tie bango devant la justice soit tu vas quoi quitter bango soit ba blanchir bango gloire à Dieu to ko ya ko bete bango maboko mais ceux qui bazar dedans ba ça la prison le quoi baninga nyoso. Moi, je pense que c'est une opportunité offerte dans le micro de Pessinga et dans le plateau spécial Oyo. Je remercie, je remercie le promoteur, Maître Christian Bossembe, le présentateur, M. Hervé, le grand journaliste qui m'a réussi cet après-midi. En tout cas, tous les gens qui ont véritablement état de droit, Oyo papa, il tient ce qu'il dit à la Kakibiso Bakongolais, tous sentir au travers son fils biologique et Félix Tshisekedi Tshilombo. Maître Junior Bakokela, merci de votre passage. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est moi qui vous remercie. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous Maître Junior Bakokela qui était venu dénoncer les détournements qu'il y a eu en rapport avec la réhabilitation de l'école Mokengeli. En tout cas, si vous vous êtes senti lésé, vous qui êtes cité dans cette émission, ne nous menacez pas. Venez, le plateau est ouvert. En tout cas, nous allons vous recevoir. Venez nous dire des contre-vérités pour, en tout cas, que la lumière soit établie par rapport à ces dossiers. Merci à l'équipe technique, merci à Néhémie, Jacob, Gaël et Omo. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.